Clément Egal. L'enseignement proposé à votre assemblée, la sémalité demandée, c'était de vous parler initialement des apparitions mariales et donc également des révélations privées. En d'autres termes, le thème proposé pour cet enseignement consiste à vous donner les moyens de comprendre sur quels éléments on doit s'appuyer ou sur quels éléments s'appuie l'Église pour dire que là, c'est la mère du Christ qui s'est manifestée au peuple de Dieu. C'est donc un enseignement d'une grande importance, à la fois pour vous qui me suivez, pour ceux qui me suivront, je l'espère, à travers les réseaux sociaux, mais également pour ceux qui pensent avoir des révélations du ciel. Ça ne sera pas très développé, mais je vais quand même donner les pistes de réflexion et les pistes les plus sûres pour que si quelqu'un a de bonne foi, il ne se laisse pas emporter à tout vent de messagers célestes ou à tout vent de doctrine. Cet enseignement s'impose pour une première raison, c'est que si vous avez à regarder dans les réseaux sociaux, si vous avez à regarder, même dans certains de nos paroisses, vous verrez qu'il est beaucoup question des révélations privées. Si vous regardez dans les médias, vous verrez également qu'il y a énormément de choses qui se font, et précisément, il y a beaucoup de prophètes, de soi-disant prophètes, des prophètes stars, qui annoncent à renfort de l'affiche publicitaire et des messages, on peut dire, apocalyptiques, le retour et la venue du Christ, et qui annonce des faits que devront se produire ici et là, des guerres, des épidémies. L'année tire doucement à sa fin. Vous verrez que pour le début du an, certains soi-disant prophètes à la mode annonceront ce qui va se passer bientôt dans le monde. Et je vous signale que cœur a été capable d'annoncer l'arrivée du Covid. Et que ceux qui ont osé annoncer la fin du Covid se sont parfaitement trompés. Amen. Donc, le thème est d'actualité. Il est d'actualité. Mais vous verrez également qu'il y a un peu partout, dans certains de l'Église, des hommes, des femmes, mais le plus souvent des femmes, qui se disent porteuses de révélations de la part du ciel pour l'Église. Mais si on avait élargi un peu la perspective, vous pouvez dire que, dans notre contexte à la fois historique et culturel, on est très sensible à ces choses. On est très sensible à ces choses. Parce que dans la culture qui est la nôtre, culture africaine, nous expliquons le réel, nous expliquons les faits de notre vie du point de vue spirituel. Pour parler de manière très simple, quelqu'un est paru, il ne pensera pas spécialement va dire à moustiques qui l'ont piqué, mais si par malheur il a eu un antécédent avec un cousin, un oncle, un voisin, automatiquement il pensera et affirmera que son paludisme, non, en fait son malaise est lié au conflit qu'il a eu la veille, n'est-ce pas? Quelle est notre manière de comprendre le réel que nous voulons le lire, nous voulons le comprendre uniquement par le biais de la spiritualité. Cela n'est pas totalement faux parce que le spirituel est le réel. Le problème, c'est que cela nous conduit dans une mentalité magique qui nous mène à rechercher à gauche et à droite toutes sortes de visions, toutes sortes d'interprétations, toutes sortes de messages, y compris de voyants, de marabouts, de sorciers, d'occultistes déguisés en hommes et femmes de Dieu. On peut dire la prédominance de cet élément culturel chez nous, que l'on peut également reconnaître par le fait que dans notre culture,
gabonaises et africaines en général, il y a beaucoup de sociétés d'initiative et où les hommes et les femmes reçoivent un certain nombre de prédispositions au culte et qui les invite à recevoir de manière assez désordonnée des messages. Message des défunts, message des esprits, message des génies, message des ancêtres, n'est-ce pas? En tant que culture, porte également. Et du fait de cet élément culturel, vous voyez que nous pouvons être portés à rechercher dans l'Église les mêmes aventures spirituelles, au risque souvent de nous dévoyer, au risque souvent d'être désorientés. Comme la mentalité magique, c'est cette mentalité. La compréhension de ces termes s'impose également par cet élément lié à notre culture. Amen. Il y a donc besoin de donner un modeste éclairage. Si on veut aider les chrétiens à bien se situer, s'aider ou s'entraider à discerner lorsque quelqu'un prétend avoir vu la Vierge Marie, sur quoi on peut s'appuyer pour essayer de dire que tiens là. On dirait quand même que ça vient du ciel. Mais on dirait que là, ça va, n'est-ce pas? Si on va dire un triple questionnement. Première question, c'est quoi? De quoi s'agit-il lorsqu'on parle d'apparition mariale ou de révélation privée? Deuxième question, qui les discerne? Qui est habilité à discerner? Troisième question, comment? Donc, quels sont les critères? Alors, c'est quoi une révélation? C'est quoi la révélation? Eh bien, on va dire que l'Église définit la révélation comme l'action de Dieu qui s'est dévoilée et se communique à l'humanité de tout le peuple élu jusqu'à l'incarnation de Jésus-Christ, le Verbe de Dieu, qui est l'accomplissement parfait de la révélation de Dieu aux hommes. Jésus-Christ est l'accomplissement. J'aimerais vous lire Hébreux 1, le chapitre, le 1, le verset 1 jusqu'au verset 4. Je prends le texte. Après avoir à maintes reprises et sous maintes formes, parlé jadis au Père par les prophètes, Dieu, en ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par un Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par qui aussi il a fait les mondes. Resplendissement de sa gloire, effigie de sa substance, lui qui soutient l'univers par sa parole puissante, ayant accompli la purification des péchés, s'est dans les hauteurs, devenu le temps supérieur aux anges, le nom qu'il a reçu en héritage, est imparable au leur. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Dans ces temps qui sont les derniers, Dieu nous a parlé de manière actualisée et elle s'est finalisée dans la descente de Dieu au milieu de nous, se faisant homme comme les hommes sans péché, devenant l'Emmanuel, chair de notre chair, de la Vierge Marie. Et cette révélation-là, mes bien-aimés, a été conseillée, consignée dans les livres saints que l'on appelle la Bible est une grande bibliothèque. Avec deux grandes parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors, c'est dans ce dépôt, dans ce, je veux dire, cette bibliothèque, alliée donc à ce qu'on appelle la tradition vivante de l'Église, dont, on va dire, l'interprétation, la compréhension, l'explicitation est confiée à l'Église, que se trouve l'unique dépôt de la révélation divine. En d'autres termes, quand nous voulons connaître le mystère de Dieu, tel qu'il a été dit de manière parfaite et totale, nous devons nous appuyer sur trois choses. Première chose, c'est la Bible. Deuxième chose, c'est la tradition de l'Église depuis ceux qui ont succédé aux apôtres jusqu'au dernier pape. Et enfin, c'est l'enseignement officiel de l'Église à travers son magistère, qu'il soit ordinaire, qu'il soit extraordinaire. Amen. Voilà les trois lieux où nous avons à découvrir le mystère que Dieu a révélé en l'humanité. Amen. La dispensation, le mystère de la foi se fait à travers le mystère de l'Église, à travers la fonction.
sont des apôtres dont les successeurs sont nos évêques. Nos évêques, et particulièrement les évêques en communion avec le pape. De vue à l'humanité, qui est considéré dans la Bible, Nouveau et Ancien Testament? On l'a dit général. Le vœu pour l'Église de tous les temps, en tout lieu et en tout temps. Ça veut dire ceci, la révélation publique, c'est l'enseignement de la parole de Dieu et qui est valable pour tous les chrétiens de tous les temps et le public en général. En tout temps et en tout lieu, elle est permanente. Elle ne changera pas. Elle ne bougera pas. C'est à elle, c'est vers elle que nous devons nous tourner en nous tournant vers la dispensation, l'enseignement fidèle, là, l'interprétation juste et bonne pour le mystère de la foi. La révélation publique est achevée, elle est parfaite, mais sa réception par l'humanité et son approfondissement est loin d'être révélation. Et l'humanité n'a pas fait de comprendre la révélation. Comprenez? En d'autres termes, il y a encore assez d'hommes et de femmes à qui il faut annoncer l'évangile. Dans l'Église comme en dehors de l'Église, parce que le peuple de Dieu est toujours en train de s'évangéliser. Nous évangélisons à intra et nous évangélisons à extra. Donc l'Église évangélise à l'intérieur, elle doit annoncer à l'extérieur. Donc l'accueil de la révélation de ce point de vue-là est loin d'être achevé. Mais là, l'accueil de la révélation est également comme approfondissement. On n'a pas fini d'approfondir le mystère de l'homme-Dieu consigné dans les en Jésus-Christ. Amen. Que si tout a déjà été dit de manière décisive, de manière finale, mais nous n'avons pas fini de comprendre. Donc il y a toujours des choses à comprendre dans la révélation. J'ai cité le catéchisme de l'Église catholique numéro 66. Catéchisme de l'Église catholique numéro 66. Même si la révélation est achevée, elle n'est pas complètement explicitée. Elle est achevée, mais elle n'est pas encore complètement de son mystère, le mystère du Christ, de ce que le Christ lui a confié, la révélation de Dieu au sort. Alors, qui va nous ouvrir justement à cette, on va dire, possibilité de l'action du Christ accompagnant le mystère. Car il ne parlera pas de lui-même, mais ce qu'il entendra, il le dira. Il expliquera les choses à venir. Lui me glorifiera, car c'est de mon bien qu'il recevra, et il vous l'expliquera. L'Esprit Saint qui habite l'Église, le mystère de la foi. Voilà ce que nous voulons dire. Dire cela, c'est pour dire que, en fait, la parole de Dieu est toujours à approfondir, est toujours à approfondir. Mais dire qu'on approfondit, c'est dire qu'on est fidèle déjà à quelque chose. Il y a un approfondissement, n'est pas toujours une rupture, mais c'est un développement, on peut dire, à l'intérieur de ce que l'on sait déjà. Alors, les voies par lesquelles l'Esprit va guider l'Église dans l'approfondissement et dans l'actualisation, on peut dire de la révélation, sont au nombre de trois selon le constellation. Eh bien, c'est l'expérience spirituelle des fidèles. Quand le peuple de Dieu vit profondément, intimement de la révélation de Dieu, il expérimente, il peut entrer en relation plus profonde avec les mystères de la foi et en être témoin. Troisième lieu, c'est l'enseignement public de l'Église, et particulièrement aussi la prédication. La prédication, l'annonce de Jésus. Je ferme la parenthèse. Ça va? Voilà. Je vais vous embêter un peu. À l'époque, j'étais même pas séminaire. Je m'apprêtais à rentrer au séminaire. Et j'étais en commun. Et désormais, mon frère, un de mes aînés, et qui faisait, il aimait à faire le quartier du côté des Sassas. C'était un. Il y a des amis, peut-être que certains l'ont connu, il y a du côté de la route.
Alors, comme il ne parlait pas bien la langue, il devait se battre pour un examen. Ça ne fait pas qu'à faire passer à la fin d'examen. Le père réfléchit jusqu'à là. La maman ne comprend pas bien le français. Lui ne parle pas bien la langue. Il a essayé de faire du mieux, mais il dit, bon, on ne va pas lui compliquer la tâche. Elle est âgée, elle est à toute extrémité. On va quand même lui poser la question. Il réfléchit. Il y a quelqu'un qui était sur la table. Il y a eu des vieux voleurs à côté. Le père dit non, tu vas attendre encore un peu pour recevoir le baptême. Ça va? Ça va? Voilà. Je ne suis pas en train de prédire. Dans l'annonce de la parole de Dieu, dans la compréhension, la connaissance, la compréhension de la parole de Dieu, dans l'expérience des fidèles, et l'Esprit va donc permettre aux fidèles. Le Concile de Trente, dans l'Église, appelle cela aussi des révélations spéciales. Il y a donc la révélation ordinaire, dont on trouve le contenu dans la parole de Dieu, qui a pris fin avec les écrits apostoliques, dont le appelé particulière. En tout cas, ce sont les deux expressions utilisées par le Concile de Trente au XVIe siècle. Alors, je vais lire le numéro 67 du catéchisme de l'Église catholique. Au fil des siècles, il y a eu des révélations dites privées, dont certaines ont été reconnues par l'autorité de l'Église. Leur rôle n'est pas de compléter la révélation définitive du Christ, mais plus pleinement à une certaine époque de l'Écriture. Amen. Le but des révélations privées, ce n'est pas de corriger la parole de Dieu, ou de dire que ce qu'on enseigne depuis 2000 ans est faux, ou de venir, vous comprenez, donner un lieu précis à la parole de Dieu, à mieux vivre de la révélation du mystère de Dieu. Amen. Vous voyez déjà qu'il y a un critère. Si quelqu'un vient vous annoncer quelque chose qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu, si quelqu'un vient vous annoncer quelque chose qu'on a ajouté de la foi, amen, c'est clair, c'est toujours pour mieux vivre la foi, mais la foi de toujours et de partout. La foi de tous les siècles, la foi qu'on vit l'Église depuis Jésus-Christ. Il y a une femme qui se fait appeler Dieu le Père. L'Église est authentifiée par l'histoire de l'Église ou le magistère de l'Église. Ça va? Ça va, non? Vous avez compris, non? Eh bien, je dois expliquer encore. Donc, qui reçoit une manifestation de Marie, il dit, mais écoutez, réveillez-vous, parlez-vous, pardonnez-vous, il faut le faire maintenant, c'est urgent, sinon vous allez dans le mur, vous allez prendre deux tuer, vous êtes des frères, le pater va faire de vous les frères. Que la langue ne vous divise pas, que la politique ne vous divise pas, aimez-vous les uns les autres. Si on peut trouver un deuxième but aux révélations privées et aux apparitions mariées, lorsque les révélations privées abordent des questions de doctrine, eh bien, c'est toujours pour attirer l'attention de l'Église ou des fidèles sur un point de la foi que l'on a délaissé ou qu'on n'arrive pas à bien comprendre. On l'apprend une fois, quelqu'un qui n'est pas normal, tout le monde se moque, on n'a plus envie. Mais Dieu lui dit, il ne faut pas craindre, je suis avec toi. Je vais bannir tout, je vais les confondre. Et elle prie pendant des années, dit Dieu, mais il faut quand même. Et après, elle, le Seigneur lui montre elle-même le prêtre en question. Un jour, le prêtre arrive, il n'avait jamais vu, elle n'avait jamais spirituel. Et elle lui partage, vous savez, le prêtre lui dit, mais ma fille, le prêtre était un enseignant de théologie.
déjà dans la tradition de l'Église pour nous permettre de mieux nous l'approprier, pour le vivre dans le temps qui est le nôtre aujourd'hui et maintenant. Et alors, le prêtre, qui jusque-là avait des doutes, ne croyait pas, bien se rend compte en fait l'enseignement est le plus authentique et qu'il fera du bien à l'Église. Et le prêtre va alors l'aider et, comment dire, la conseiller pour que la mission que Dieu lui avait confiée puisse avancer. Amen. Amen. Mais il existe différents types de révélations privées. Et je n'essaie de vous le dire, mais j'insiste dessus. On peut recevoir des messages. Un message, ce n'est pas comme une vision, même. On peut entendre des voix. Mais vous savez bien que quelqu'un peut entendre des voix s'il a beaucoup pris du yoga. Quelqu'un peut entendre des voix s'il a beaucoup fumé de champ indien. Quelqu'un peut entendre des voix s'il a beaucoup bu, n'est-ce pas? Quelqu'un peut entendre des voix s'il s'est fait initier, n'est-ce pas? Les révélations privées. Alors, pour faire très simple, je dis vraiment pour faire très simple parce que c'est tout un monde aussi. Il y a donc les messages, hein, ce qu'on appelle les locutions. On peut parler de locution intérieure, de locution extérieure. Okay? C'est quoi une locution intérieure, une locution extérieure? C'est quand une personne reçoit un message, elle entend la voix. Okay? Elle lui parle dans son cœur, comme s'il y avait un microphone dedans, ou dans ses oreilles. C'est comme si elle avait un message. Et au niveau des visions, okay? Quatre types de visions. Quatre types de visions. Je mets de côté volontairement notre type de vision parce que ça ne concerne pas tout à fait notre sujet, même si on peut y intégrer. Il y a ce qu'on appelle des visions substantielles qui touchent directement l'essence de l'âme. C'est des communications. Là, c'est Dieu qui parle à quelqu'un d'esprit en esprit. La communication est aussi si parfaite que c'est difficile de se tromper et d'être abusé. Il n'y a pas d'image. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les visions imaginatives. Vision qui s'accompagne avec des images. Avec des images. Les images peuvent être dedans, comme elles peuvent venir dehors. Vous pouvez avoir un film en vous, comme vous pouvez avoir un film au dehors de. Voilà. Donc, vision intérieure, vision extérieure. Alors, la vision extérieure peut se faire sur différents plans. Ça veut dire vision en deux plans, vision en trois dimensions, vision en. Grandeur, grandeur, grandeur naturelle, réelle. Alors, on appelle apparition, apparition, hein, la vision, on peut dire, extérieure, corporelle, en grandeur, nature, d'une personne céleste. Le Christ, Marie, les anges, les saints, s'accompagnant d'un message plus ou moins long. On ne voit pas un tableau. On voit la personne comme vous me voyez. Donc, on la ressent. Elle est là. Donc, tous les sens participent à la vision. La personne apparaît réelle comme je suis réel devant vous. N'est-ce pas? Et s'il y a un message à délivrer, qu'il livre le message distinctement, clairement, est supposé être la mère du Christ. Amen. C'est ça. C'est cela qu'on appelle, normalement en théologie mystique, c'est le degré le plus bas dans les manifestations spirituelles. Voilà. Et c'est aussi le degré où le démon peut permettre. Vous comprenez donc, avec cette ouverture, pourquoi le phénomène des apparitions mariales, l'Église est toujours très en retrait. Parce qu'on sait qu'en théologie mystique, c'est le lieu le plus bas et c'est aussi le lieu où le démon joue le plus. Okay. Il a une dominance, une domination sur la matière, sur l'air, sur le monde, comment dire, les sens dont le démon peut très bien produire. Amen. C'est pour ça que vous pouvez avoir une apparition avec lui, il s'en parle pas. À l'église, vous allez dire, c'est un frère qui vit de vous, il y a un évêque qui vit de vous. Parce que lui, il dit sa foi, c'est dans la parole de Dieu qui est vécue depuis toujours. Saint-Père est omniprésent, donc partout et toujours. Voilà. Et parce qu'il faut prendre le temps de discerner. Dans le fait
non, j'ai vu la Vierge Marie là-bas, elle ne court pas avec moi, avec les membres, allez voir où la Vierge Marie apparaît. Parce qu'il faut du recul, une certaine distance, une pédagogie qui permet de poser un vrai discernement. Amen. Alors nous allons avancer. C'est donc une perception extérieure sensible, plus ou moins réelle, une personne céleste, Christ, Marie, les anges, les saints, s'accompagnant d'un message plus ou moins long, adressé au peuple de Dieu ou adressé au pasteur du peuple de Dieu. Amen. Lorsque la perception corporelle prend la forme de la mère du Christ, il s'agit d'une apparition mariale. Si vous avez assisté à des apparitions, dans certains lieux reconnus, le voyant pas connecté à quelque chose que vous ne voyez pas. Voilà. En disant cela, vous comprenez qu'il y a besoin de discernement. Parce que le fruit peut venir à côté, il fait des simagrées, il raconte des histoires, et puis vous dites pourquoi Jésus, non? Dès qu'on lui vient bien fort, il pleure, il se fout par terre. Donc, comme si c'est quelqu'un. Vous comprenez, non?
la spiritualité de l'âme, une manifestation de l'Esprit de Dieu. On se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Ne venez pas me lancer les cailloux, le Père ne croit pas aux apparitions, le Père ne croit pas machin, ne venez pas me lancer les cailloux, ok? Ne venez pas, c'est pour vous aider que j'enseigne ça. Amen. Troisième catégorie d'esprit, eh bien c'est le diable. Le diable, comme esprit, a la faculté de se déguiser en ange de lumière. Ça veut dire qu'il peut prendre le visage d'un saint, le visage d'un bon ange, le visage d'un bon esprit, le visage d'un âme du Christ, le visage du Christ pour te tromper. Au début, il va te dire les bonnes choses. J'en connais beaucoup comme ça dans sa vie de libre. Vous savez bien que c'est trop tard. À moins d'un traitement psychiatrique, on ne va pas la sauver. Ou alors d'un exercice, on ne va pas la sauver. Mais au début, on essaie de faire attention à ce que j'entends faire. C'est évident qu'avant de venir voir le curé, ou l'évêque lui dit que Dieu m'a parlé, l'Esprit Saint me dit qu'il va avoir une guerre au Gabon, réconciliez-vous. Il faut que là, j'ai pris le temps de discerner un peu, non? Dans le premier discernement, c'est quand même toi. Normalement, si tu es intelligent, tu dois avoir un bon père spirituel. Et un bon père spirituel, ce n'est pas celui qui dit oui à tout ce que tu dis. Tu as compris, non? Parce que l'homme est comme ça. Quand tu vas demander copine, un conseil. Tu espères qu'il va répondre ce que tu as envie d'entendre. Dans la carte de Bible, si elle te dit le contraire de ce que tu n'as pas envie d'entendre, elle peut devenir ton ennemi. Si tu as une femme au lieu de tel gars, mais tu as quand même des petits doutes. Mais c'est lui que tu veux épouser. Et tu vas voir ta copine, tu dis, mais ma copine, est-ce que je peux l'épouser? Si elle te dit, non, c'est pas lui aussi tes yeux, tu vas la fuir. Mais si elle te dit, c'est lui, oh là, c'est ta copine. Ça veut dire que souvent, nous, déjà soi-même son discernement, et de faire un discernement avec son père et avec le créateur spirituel. Ça va mes filles? Ça va les visionnaires là? Vous qui avez les visions partout là, vous allez bien? Hein? Voilà, je me souviens de cette maman là qui était venue me voir. Elle voyait Abraham sur la moto, Abraham était sur la moto. Elle va comme ça là. Elle dit maintenant, c'est l'esprit, la personne est partie de ton jour parce que tu dis maintenant. Le Concile Vatican II, le même jeune sur le numéro 25, enseigne donc que sept successeurs des apôtres, dont hérité de la charge du mandat du Christ dans les prophètes aux apôtres, que revient de discerner les apparitions lorsqu'elles sont des messages adressés au peuple de Dieu ou au discerner ou adressés. Celui qui doit poser le discernement, c'est l'évêque. On appelle l'ordinaire du Dieu. Il est incontournable quand il y a des apparitions. Il est incontournable quand il y a pour l'église. Que Dieu prétend que Dieu donne des messages pour le clergé. Que Dieu prétend que Dieu donne des messages pour édifier les autres. L'autorité est incontournable, l'autorité de l'évêque. Il y a même. Alors, comment l'évêque, si c'est l'ordinaire du Dieu, il contacte ses compères, ses confrères évêques, ses pères évêques, il soumet le cas. Amen. Il peut le faire quand il a besoin de leur aide en matière de discernement. Il peut le faire aussi quand la chose dépasse le cadre de son diocèse. Il y a des messages qui vont s'adresser à tout un pays. Comme il le commande pas dans les autres diocèses, il est obligé de recourir aux autres évêques. Ce n'est pas une découverte, les apparitions de Kidemo ont été reconnues. Ça fait partie de ces rares apparitions reconnues. Okay. Dans l'église catholique en Afrique, à moins que je m'abuse, je ne peux me tromper, je pense que ce sont les apparitions reconnues. Les autres laissent plus ou moins faire. C'est en nous. C'est épiscopal. Peut s'intéresser à la question
que l'évêque du lieu donne l'autorisation. Ou alors ce soit le pape qui a donné l'autorisation. Nous avons de compétences. En cas de problème, eux aussi n'ont pas à discerner, mais interpeller le Saint-Siège. On dit qu'ils peuvent s'organiser et dire ah, nous avons un cas là-bas, nous aimerions toujours vous avoir comme on aime. Et dans ce genre de cas-là, on doit toujours vérifier que les gens-là ne cherchent pas à imposer leur volonté et ne cherchent pas à se soustraire à l'obéissance à l'évêque. Dis amen. Dis amen. Amen. Alors, comment ce travail de discernement se fait? On va aborder maintenant le tutoriel avant d'arriver à, on va dire, aux critères. J'ai déjà donné certains critères. L'évêque, dans cette pensée, doit nommer une commission pluridisciplinaire. L'évêque nomme une commission. Une commission pas constituée de membres, une commission d'experts. C'est important de dire ça. Voilà. Parce que par exemple, non, l'évêque ne comprend pas le. Ok. L'évêque, normalement, a l'ordre d'identifier que les médecins puissent vérifier. Est composé de psychologues, même de psychologues chrétiens. Parce qu'il faut que le psychologue croit quand même que Dieu peut agir. S'il ne croit pas, vous comprenez, ça n'a pas sa place. Alors, ce travail doit se faire dans la et le plus rapidement possible. Pourquoi? Eh bien, parce qu'avec les masses médias, Internet, les voies de communication, les nouvelles vont vite. Donc, il faut que les évêques, parfois, agissent un peu vite, mais parfois aussi pas trop vite. Parce que si on va trop vite, on risque de se tromper. C'est le plus posément possible pour avoir un avis, une appréciation qui soit juste. Et comme je l'ai dit, l'évêque peut très bien demander le secours des experts de Rome pour un discernement. Amen. Alors l'Église, normalement dans l'Église, la foi c'est le discernement. Il y a le discernement charismatique. Okay. C'est quelqu'un qui a une révélation aussi en réalité. Qui peut dire si ça j'étais avec ça, ok. Il y a des amis de licence qu'on appelle licence spirituelle. C'est quelqu'un qui connaît les choses spirituelles, les voies spirituelles. Il y a l'expérience spirituelle. Il peut donner un avis. Mais il y a ce qu'on appelle aussi un discernement doctrinal. C'est-à-dire quelqu'un qui s'appuie sur la connaissance de la révélation générale authentifiée par la tradition de nos magistères. En réalité, c'est ce dernier aspect-là qui est mis en. Bon, ça veut dire que les experts sont des gens qui maîtrisent un certain nombre de domaines de savoir, qui sont capables d'apporter leur expertise pour dire tiens là, c'est vraiment Dieu qui a l'œuvre. Amen. Donc toujours dans le discernement, toujours utiliser la raison, la réflexion et la foi. Amen. Quand c'est le cas, l'Église peut donner trois types de jugements. Trois types de jugements sont possibles. Premier type de jugement, c'est ce qu'on appelle le constat de supernaturalité. Constat de supernaturalité. C'est-à-dire le constat que nous avons une manifestation surnaturelle. Donc, on identifie l'apparition mariale. C'est-à-dire qu'après enquête, après une longue enquête, une minutieuse enquête, les experts ont donné leur avis, l'évêque a lui-même aussi pris le dossier en main. Il peut dire que là, l'apparition là, c'est vraiment la Vierge qui a déjà revenu qui doit avoir comme un ami. J'ai pas compris. J'entends pas. Moi j'ai rencontré une des dernières voyantes de vidéo qui vient en Belgique. Ça va? Vous pouvez pas me dire ça. Bon, on vient de me dire après l'enseignement. Amen. Deuxième type de jugement. C'est ce qu'on appelle le constat de non-supernaturalité. Constat de non-supernaturalité. Supernaturalité, pardon. C'est-à-dire que les gens ont enquêté, affirment qu'il n'y a pas Dieu dedans, il n'y a pas Dieu. Ne vous enquêtez pas, si l'Église a dit qu'il n'y a pas Dieu dedans, c'est qu'il n'y a pas Dieu dedans. Ne vous enquêtez, n'insistez pas. Même si vous avez vu des miracles, n'allez pas. Parce que le diable peut faire aussi des miracles. Donc quand on donne un avis, c'est pas parce que l'évêque n'aime pas la quête ou le prêtre n'aime pas ton affaire. Non, c'est parce qu'il y a eu des commissions composées d'experts qui a pris un an, deux ans, trois ans, quatre ans, parfois
10 ans, parfois 15 ans, parfois 20 ans pour donner la vie. Donc on retourne toute la vie là, c'est une parole sûre. Amen. Troisième jugement, mais en réalité c'est débattu chez les experts. C'est ce qu'on appelle le non-constat de supernaturalité. Ça c'est le cadre fondamental. L'Église dit, enfin le jugement des évêques, c'est que on n'avalise pas, on n'invalide pas. En d'autres termes, l'Église ne sait pas encore, n'a pas encore tranché. On dit que là c'est Dieu, là c'est pas Dieu. C'est par exemple le cas de l'Église. On met les chrétiens qui avaient et on les encadre pour voir ce qui est en train de se passer. Amen. Les apparitions et les révélations divines ne sont pas des dogmes, ce ne sont pas des articles de foi. Donc personne obligé de croire à une apparition privée. Vous avez compris? Voilà, parce que c'est pas par mal l'évangile, c'est une expérience personnelle. Ça dit, je suis obligé d'aller à Tibio, si je parle avec Tibio, je n'ai pas péché, je suis pas obligé d'aller à Fatima, je suis pas à Fatima, je ne suis pas d'aller de Dieu, vous comprenez? Voilà. Mais comme l'Église a reconnu, je dois respecter, parce que je sais que l'Église, quand elle se prononce en pareille circonstance, elle a pris les moyens. Amen. Amen. Les lignes vont viser à vérifier que ce qui provient des apparitions est conforme à la révélation publique et que l'apparition est féconde. Alors, je vais aborder la dernière partie et conclure. Quels sont maintenant les critères sur lesquels on juge une apparition? Ça va. Concrètement, ça veut dire quoi? Quand il y a une apparition, on s'appuie sur quoi pour dire que là, ça vient de Dieu, là, ça vient pas de Dieu? Eh bien, on va dire qu'il y a six grands critères. Trois critères dits positifs et trois critères dits négatifs. D'abord, il s'agit de bien établir les faits. Parce que quand le père dit qu'il y a eu l'apparition, on a raconté que l'autre va raconter autre chose. Vous comprenez non? Donc c'est important de bien établir les faits. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Qu'est-ce qui se passe vraiment? L'enquête est importante. Les témoins de première main sont importants. Amen. De vérifier s'il y a vraiment des miracles. S'il y a la foule, va à cet endroit-là. Pourquoi il va? Donc, il faut une bonne investigation. Maintenant, les trois premiers critères qui permettent de vérifier que, tiens, là, il y a peut-être Dieu qui est en train de parler. Je dis, ah, peut-être. Le premier critère concerne le voyant lui-même. Le voyant lui-même. Est-ce que le voyant est quelqu'un d'équilibré? Alors, est-ce que c'est pas quelqu'un qui est passé à l'hôpital psychiatrique un jour, ou bien qui suit un traitement? Ça va, non? Ou bien c'est pas quelqu'un qui se drogue et la prière? Okay. Ça va, non? C'est important de vérifier l'équilibre mental pour écarter les maladies psychologiques. Donc, délire mystique, vous comprenez? Ça, c'est le premier critère. On étudie donc le voyant. C'est qui le voyant? Ok. Deuxième critère. Est-ce qu'il a des qualités morales? Si tu te parles, il faut que Dieu t'aide au moins à changer de vie. Or, Dieu te parle, tu as toujours dans les mêmes péchés, matin, midi et soir. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est clair? Toi, Saint-Michel, tu as une vie dans ton corps, alors que Dieu fait la troisième femme d'un an. Et Saint-Michel descend dans ton corps. Est-ce que c'est cohérent? Vous comprenez pas? Donc, on va vérifier les qualités morales du voyant. Est-ce que le voyant, même si peut-être c'est un pécheur comme les autres, après avoir été mis par le ciel, a changé de vie? Voilà, critère donc moral, mais aussi la sincérité. Et surtout, on vérifie que derrière, il n'y a pas une volonté de faire du business. Ça va? Voilà, ça aussi est très à la mode en ce moment, faire du business avec le nom de Dieu. Donc, on va vérifier que ce n'est pas un truc qui est là pour vendre les bougies, avoir de l'argent. Vous comprenez, non? Voilà, vérifie ça. Ok. Ça, c'est, on peut dire, les premiers signes, critères pour bénéficier le voyant. Deuxième catégorie de signes. Il faut vérifier que les messages sont en accord avec la parole de Dieu, avec l'enseignement de l'Église, avec le catéchisme de la foi, avec ce que l'Église sait de Dieu depuis 2000 ans. Ça va? Donc, est-ce que ce que tu dis là ne contredit pas l'enseignement de l'Église depuis 2000 ans? C'est l'Église qui nous a donné la parole de Dieu, qu'elle a reçue. Ok. 2000
Dieu lui-même. Je veux dire, le livre, ce livre-là, ok, ce livre-là, il n'est pas trouvé du ciel porté par, comment on appelle ça, un pigeon, hein, une colombe. Dieu a parlé à l'Église, Dieu a parlé aux hommes. Et ce sont ces hommes-là qui ont mis à l'écrit ce que Dieu leur a dit. Donc, l'Église est inséparable de la Bible est inséparable de l'Église. Ça va? Oh, ça va? Vous me suivez un peu, vous êtes fatigué. Vous dormez déjà. Vous voulez voir la Vierge Marie? Moi, j'aime la voir au ciel. Si je vois la Vierge Marie, je suis vraiment un péché, ça va me condamner, comme ça ne sert pas à grand chose. Le plus important, c'est de faire ce que le Christ nous dit. D'ailleurs, la dernière parole de Marie dans l'Écriture, c'est quoi? À la croix, elle est silencieuse. À la croix, elle est silencieuse. La seule et dernière parole de Marie, c'est faire tout ce qu'il vous. C'est ça. Ok. Alors, est-ce que le message, donc, ne contredit pas la parole de Dieu, l'enseignement des Bibles et la richesse de la foi? Amen, amen. Ça, c'est le deuxième, la deuxième vérification. Troisième vérification. Est-ce que ce qui se fait là est fécond? Est-ce que les gens, quand ils ont la dévotion, là, ils sont plus pieux? Ils sont plus respectueux de Dieu? Ils croient plus en Dieu? Ils aiment plus Dieu? Est-ce que de l'esprit, on peut dire que ces gens-là, quand on les voit, les voyants, les gens qui vont au lieu d'apparition, ils ne sont pas exaltés, leur vie change, il y a des plus de conversion, maintenant ils ont plus de foi, maintenant ils aiment plus Dieu et ils n'ont pas besoin de miracles pour nécessairement croire. La foi est un bien quand l'homme a besoin de miracles, il ne peut plus se passer de miracles pour croire. C'est un mauvais signe. Amen. Donc c'est la fécondité spirituelle de l'apparition mariale et la qualité de la dévotion ici des lois. Qu'est-ce qu'elle enseigne, qu'est-ce qu'elle véhicule, c'est qu'elle produit. Amen. Comme a dit Jésus, on jugera un arbre par. Et je peux juger. Jésus a dit quoi? Jésus a dit quoi? Aidez-moi. Oh, qu'est-ce que Jésus a dit? Matthieu 7. Le verset 15. Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguiser en brebis, mais au-dedans sont de vous rapaces. C'est à leur fruit que vous les reconnaissez les fruits. Ce qui se dit là, ça a converti combien de personnes? Combien de gens sont allés là-bas? Leur vie a totalement changé. Il y a des gens là, ils ont plein de dévotion, mais leur vie ne change jamais. Il y avait des groupes comme ça, Mario. Ils prient le chapelet toute la nuit, toute la journée. Mais leur vie n'a jamais changé. En même temps qu'ils prient le chapelet, les intentions, elles sont pour attaquer les autres. Quand les mamans Marie, nous te prions pour les bandits. En fait, il est en train d'attaquer le gars, le trésorier du groupe. Ou bien il est en train d'attaquer sa voisine qui est en face. La dévotion n'est pas authentique. Ça va? Ça va? Eh bien, quand tu me dis, regarde-moi, c'est moi qui sais prier. Vous voyez comment je suis beau, vous voyez comment je suis belle. Je prie bien, non? Je prie bien, non? Ça va? Il y a des gens qui prient comme ça. Ça veut dire qu'en fait, la prière n'est qu'une manière de se donner en spectacle les qualités de son diamètre. Ça va? On dirait que j'ai touché quelqu'un. Voilà, j'ai touché même beaucoup de personnes. Amen, 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 amen. Voilà comme les critères. Voilà, c'est toute une question de critères. Qui demande une analyse minutieuse et un examen minutieux, progressif, ok, et profond. Les critères négatifs, c'est le contraire de ce qu'on a dit. Si on se rend compte que le voyant, aucune vie de conversion, c'est quelqu'un de, comment dire, qui ment, qui n'est pas sincère, dans sa tête, ça ne tourne pas très bon, sa vie chrétienne, c'est du haut au bas et du genou se fait appeler le plus de prix pas. Sa vie est plus ou moins en profondeur, il n'y a pas besoin d'insister. Oh non, mon père, il y a eu le miracle. Il n'y a pas besoin d'insister. Vous avez compris? Il n'y a pas besoin d'insister. Deuxième critère négatif, si on se rend compte que la personne enseigne sur la parole quelque chose qui n'est pas conforme au catéchisme, qui n'est pas conforme à la tradition, qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, n'insistez pas! N'insistez pas, fuyez, ne restez même pas une seconde. Ne restez pas.
Fuyez, Dieu n'est pas là. Amen. Troisième critère, la stérilité spirituelle. Vous savez, des gens qui font le tour du monde des pèlerinages. Je me souviens une fois, j'étais dans un pays, une personne m'a invité à manger après une évocation chez elle. On rentre dans la maison. Il y a une chambre là, c'est la Vierge de Marche. Elle avait, c'était un sanctuaire. C'est-à-dire, dans sa pièce, il y avait toutes les statues de la Vierge du monde. Elle dit non, mais tu penses, voilà. Oui, moi je dis ça ne me dérange pas. Tu peux avoir tous les statuts de la Vierge du monde que tu veux. Mais si tu as dit, ne change pas. Toujours voleur, toujours menteur, toujours dans les mauvaises choses, toujours en train de trafiquer, toujours en train de mépriser les autres. Tu es prêt à te mettre à genoux devant le statut, mais tu n'es pas capable de te mettre à genoux devant ton frère. Tu es prêt à te mettre à genoux devant le statut, mais tu n'es pas capable de te mettre à genoux devant ton père, ta mère. Pourquoi elle a fait comme ça? Hein, j'appelais la mère, j'appelais la maman, ma vie de maman, il y a audio. Ok? Mais tu n'es pas capable de dire que je m'excuse. Je me suis trompé. Pardon, passe avant moi. Je te pardonne. Vous voyez, non? La seconde spirituelle. Amen. Amen. Finalement, je vais conclure. Vous voyez que ces critères nous servent vraiment. Cette précaution de l'Église, cette pédagogie de l'Église est votre bien. Amen. C'est pour vous empêcher d'être manipulé, de tomber entre les bras de manipulateurs, de malades, mentaux, ou entre les mains de marabouts déguisés en voyants, ou de sorciers occultistes déguisés en femmes et hommes de Dieu. C'est pour votre bien. Cette pédagogie de l'Église est pour garder l'intégrité de la foi, que quelqu'un n'amène pas ces histoires ou ces croyances et les fasse passer comme étant la parole de Dieu, la révélation du Christ. Amen. Donc gardez l'intégrité de la foi. Mais c'est aussi pour garder l'unité de la foi. Parce que sinon chacun va créer son église. À Libreville, j'ai presque envie de dire que chaque semaine, une nouvelle église dans un quartier. Vous comprenez, non? Bon, laissez les autres. Et ça ne me regarde pas. Ok. Voilà, ça ne me regarde pas. C'est pour garder l'Église unie partout sur toute la terre, sans sentiment. Amen. Parce que c'est l'Église de Jésus. Ce n'est pas l'Église de Monsieur 1. Ce n'est pas l'Église du pasteur 1. Ce n'est pas l'Église du prophète 1. Ici, il y a plusieurs évêques. Aujourd'hui, c'est Monseigneur Jean-Patrick. Après, Monseigneur Jean-Patrick, il y aura quelqu'un d'autre, non? C'est l'Église de Jésus. Ce n'est pas l'Église d'une famille. Ce n'est pas l'église d'un individu. Amen. Troisième point, vous voyez donc que discerner cette action de discernement-là consiste en fait à accueillir les manifestations, à poser un jugement sur elles, quand c'est bon, à rendre grâce et enfin à les accompagner pour que ce que Dieu a donné ne se perde pas. Amen. Dans tous les cas, ce travail de l'église est toujours fait de manière sérieuse, en associant deux lumières que Dieu nous a données, la foi, la révélation et l'intelligence que Dieu nous a données pour comprendre le monde, pour analyser, pour juger, pour peser, pour discerner, pour mesurer. Amen. Celui qui est Église et celui qui a le bon sens comprendra qu'en fait, quand l'Église pose un discernement sur les apparitions, il doit naturellement obéir. Amen. Obéir, rentrer dans l'obéissance finale. Reconnaître que l'instrument, l'Église est l'instrument, le sacrement de Dieu, pour nous aider à rentrer dans la révélation de Dieu. Quand l'instrument de Dieu apparaît, le peuple de Dieu doit, bien-aimé, tout simplement accueillir. Accueillir. Voyez donc, si on avait à regarder, compter le nombre d'apparitions qu'il y a dans le monde, et lui ne reconnaît pas la peine. Ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps. Mais pourquoi? Parce qu'on ne veut pas se tromper. Parce qu'on ne veut pas se tromper. Parce qu'on veut protéger. Parce qu'on veut que ce qui est donné, on doit être sûr que ça vient de Dieu, de pouvoir
le promouvoir. Fatima a rayonnement international, l'ONU a rayonnement international. Kibéou est en train d'avoir aussi un rayonnement international, par connaissance de leurs managers, prennent le moyen de faire connaître ce message. Amen. Amen. Seigneur, notre Père et notre Dieu, accorde-nous un esprit de sagesse, de discernement et de révélation. Accorde-nous un esprit de sagesse, de discernement et de révélation. Et fais que ces apparitions de notre âme, ma mère vers incarner, que ces apparitions aident les fidèles de notre continent à vivre la réconciliation, à vivre le pardon, mais surtout à vivre la conversion. À vivre la conversion. Parce que quelqu'un qui n'est plus pardonné n'est pas capable de pardonner, et ça veut dire qu'il refuse de se convertir. Amen. Seigneur, viens nous aider, viens nous bénir, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles.